pas dit non bail matin à la République. Si m'étais dans place d'Ado Diwa, yes, m'dap dit John couper ça, pas m'dit Junior avec Élisée couper ça. Pour qui peut pièce nèg, pièce femme k'ap vinn parler dans radio, k'ap vinn minimiser sanction yo. Sanction yo affaibli tout moun nou sectionné yo. Et gen pile nèg ki peur sanction yo, gen pile nèg k'ap souffri à cause sanction yo et gen nèg jodi ak poko konnen si ap nan liste ou pas ki ap joué le tout. Pour nou yo pa la. Et nou met écrit samedi à la, on joue bien l'autre nou k'ap ban raison. Gon frange dans secteur privé a. Ou même pas dit tout secteur privé a. Gon frange là-dedans. Qui gen contrôle Laurent Cécile, tout au moins Laurent Cécile très proche son frange dans secteur privé a qui acheté figi Ariel en pile dans moment là. Bon si on moun vle la vinn démentir. L'aime di acheté figi Ariel Henri a, si Ariel vle, li ka di tande nou n'a fa gauche jodi a, y a fa gauche avec elle. Li ka di n'a fa droite, y a fa droite avec elle. Kon ya mande m pou ki ça. Et pas parce que vous remet Ariel comme ça. Et pas parce que vous remet forme tête Ariel comme ça. C'est pas parce que Ariel tellement bien géré pays comme ça. C'est pas parce que Ariel tellement bien défend l'intérieur comme ça. Raison simple. C'est parce que cette frange du secteur privé des affaires dont je vous parle, yo peut sanction yo. Yo croit, yo convaincu que Ariel Henry gon rôle li jouer dans série sanction sa yo international la apprend contre une série personnalité des élites politiques et économiques en y encore non pas. Si blanc demande Laurent Cécile comment relation à CTI avec Primature, pas étonné Laurent Cécile dit bon bagaille, relation harmonieuse, très cordiale, très respectueuse, très mutuelle, bye. Pas étonné men. Donc ça important oui et me veut noter ça. Gon frange dans secteur privé des affaires là qui croit que Ariel bon rôle li jouer. Ariel bon Jean li ka influencer. Yo croit ça, m'pa konn si c'est la vérité, mais yo croit ça. Li ka influencer sanction yo. Et gen nèg ki peur sanction. Et m'a dit non bay matin à la République. Si m'te dans place d'Ado Diwa, yes, m'dap dit ti John couper ça, pa m'dit Junior avec Élisée couper ça. Pour qui peut pièce nèg, pièce femme k'ap vinn parler dans radio, k'ap vinn minimiser sanction yo. Sanction yo affaibli tout moun nou sectionné yo. Et gen pile nèg ki peur sanction yo, gen pile nèg k'ap souffri à cause sanction yo et gen nèg jodi ak poko konnen si ap nan liste ou pas ki ap joué le tout. Pour nous, voilà. Donc, ça veut dire, sanction de la République comme ça, c'est peut-être son étape par rapport à ça, espéré. Mais quittez-moi, dis-nous ça. Et ceci, à qui veut l'entendre, sanction, il y a toute sanction, il y a une peur sanction. Parce que moi, je connais un ancien parlementaire qui sanctionnait là. Monsieur, pas dormi, non, parce que, côté bloqué, conseil de transaction, il n'y a pas qu'à faire. Même sous nos petits, même sous nos madame, il n'y a pas qu'à mettre business. Non, voilà. Et il y a des gens qui n'ont pas fait confiance. Gede moun yo de kon avi mil ya pa jima la ve yo ki te poche yo, yo pa kon ki kou moun sa yo kaba yo, yo nan difficulté. Donc là on nèg ap jaze, ap deblatere nan radio, ap di rapport bidon, ceci, cela, si nou konnen si nou pran au sérieux. Nèg ap soufri. Nèg politik yo pe sanction yo, pa y sanction afebli yo, nèg secteur privé yo pe sanction yo. Donc pou m retourne kote m tap pale ak nou la sou question position mis en là, est-ce que le fait unanimité en dans au conseil là, m'pas fin certain. Et me dit qu'on ça si gon monde qui partager même position à Milan, à mon sens, il relé pasteur Fleurido. Pour le recenser là, j'ai un gros doute. Maintenant, pour nous retourner sur cette échéance du 7 février 2024, nouvelle opposition hein, commencer à fou bizamni guerrier du seul. Opposition a commencé à préparer là pour faire des sorties. Après, on a fini créer fonds unis, aider PHTK, OPL et autres. Et Montana n'a pas attendu quelque temps. Il est en sortie là, dans le mois d'octobre là. Il est présenté qui sa mécanisme doué pour capable remplacer Ariel. Le 7 février 2024 et Simkoué Gazette Haïti yo dim sorti madame Mirlande Hippolyte Maninga li créé panique au niveau du gouvernement. Ah c'est gen moun nan gouvernement qui a fait beur yo qui commence un petit gens paniqué. Nous salue fusion sous ça. N'importe gouvernement
sérieux qui vient dans le pays, m'a demandé pour un audit qui fait sur MTPTC. MTPTC comme ministère avec tout ça en bas lui. Comme organe. Hein, me salue fusion sous trac ça. Yo dit moi ça le ministre travaux publics t'a installé. Il t'a tremblé. Yo dit moi qu'il y a monsieur Jean Basé qui est jeune garçon. Je dis monsieur Fré, me salue monsieur. Vous comprenez? Gade moun ki t'a fait beurre pendant toute transition là la commencé paniquer. Me salue monsieur ministre planification. Gade moun daga salue toujours. Me salue chef cabinet Ariel là. MJ cap dirige pays. Nous voulons me saluer toujours, pas faire ça. Monsieur Saturné. Bon beau chef cabinet papa. Opposition commence à fou bizamio. Saturné Gabriel dirige pays. Je dis chef cabinet ça gagne plus pouvoir que Ariel lui. Bon Ariel va en tête. Donc non ton qui plus sérieux. Opposition hein. Ap fou bizamio. Parce que n'ayez quoi à faire Ariel là le 7 février 2024 a fini. M'bral zon bagala, mais avant me dire même si c'est politique qu'a fait on femme qui t'a critiqué à quoi 21 décembre non mais que t'es rejeté le de revers demain qui doit pas reconnaître baiza je dis à l'anti j'ai un dessin pour c'est au cap vinn di selon clause accord 21 décembre non mandat Ariel fini. Ma vous comprenez on est guidé pour pas reconnaître ou une femme guidé pour pas reconnaître accord 21 décembre. OK. Ou tu vas reconnaître lui. Quand je dis elle d'abord j'ai un dessin pour après l'argument pour dire n'a pas de moi comme journaliste particulièrement. Nous t'ai questionné ou bien t'ai mettre en doute démarche là mais comme journaliste nous t'ai noté que son document officiel qui était publié dans le Moniteur et chaque allié Ariel Henry qui prend la parole l'aime demander pour un accord global qui implique toute force vive pays pour nous capable adresser une série de problèmes. N'ego te dit si en face là pas d'accord. Si l'autre protagoniste est intransigeant. Si yo sur la corde raide, yo même pas avancé conformément à ça qui dit dans l'accord 21 décembre nan. Et chaque fois monsieur te vle justifier mandat Ariel ni comme contenu ni comme durée, yo rale accord 21 décembre nan. Donc ça veut dire qui ça? Avant accord 21 décembre nan, tout le monde t'a posé question qui le mandat Ariel a fini et qui ça mandat Ariel gagne comme contenu. Mais selon les alliés du pouvoir, les signataires du dit document, à partir de l'accord 21 décembre, débat est fermé. Parce que tout ça, yo t'a fait selon les clauses de l'accord du 21 décembre. Voilà, dans l'accord 21 décembre, il était prévoit pour élection organisée fin année ça. Et que pour Ariel Henry, Baymayet là, a un gouvernement légitime, a un président élu. Maintenant, pour quelle que soit raison, on moun da ka avancer, un fait certain, pas gagne élection. Donc, si pas gagne élection, la grande question qu'on y a, qu'on ta ka posé tête nous. Nous ta ka posé tête nous. Est-ce que nous pral di bon, comme pas gagne élection, n'a pas Ariel Henry font 2 ans encore pour le boucle mandat 5 ans là, puisque son mandat présidentiel lui-même devine jouer là, ou bientôt, n'a dit bon, après 2 ans et quelques mois, Ariel pouvait incapacité, incompétence, donc n'a pas obligé retirer monsieur, mettre l'autre monde. Mais gomba qui préoccupant qu'on y a. Quels sont les mécanismes pour remplacer Ariel Henry? Qui ça mécanisme pour remplacer Ariel Henry? En tweet. Est-ce que nous avons ce corps groupe là qu'on y a là qui, dans toute composante, chiton côté non chambre, et puis décide au fond tweet, dit désormais, mais qui est-ce qui premier ministre? Est-ce que c'est classe politique là qui pral entendre ce que me connais qui est impossible parce que m'a rappelé qui dernière fois classe politique a été entendu pour de bonnes causes qui pral dire que mes côté ouvre aller ou bien est-ce que c'est un ministre dans gouvernement qui pral assurer intérimat en attendant que nous décider sous son nom. En tout cas gagné Claude Joseph et du parti ED qui lui même salue courage madame Maniga qui dit Maniga et nous comptons sur vous pour aider nous. Pour aider nous dans la bataille. Pour remplacer Ariel là. Pour créer vite. Bon, moi je dis remplacer Ariel, mais il n'y a pas les gros français, gros mots latins. Mais quand il y a assez de dire, madame, nous allons écouter.
Claude, qui n'a font une qui gagne PHTK qui gagne OPL, n'a pas rappelé Liné Balthazar du PHTK, c'est un nom qui gagne dans le cité ou bien qui vous voyez, petit papier d'un brébalé dans le cadre de l'homme Jovenel là-bas. Monsieur d'accord à toi, monsieur Sien tout. Ah, le papa, quoi? Non, nous avons fini. Ah, ok. On revient. Ok. Donc, quand il y a là, qui est ce mécanisme pour remplacer Ariel? Montana lui-même, il était ferme avec proposition. Il croit toujours que son collège présidentiel, qui pour venir mener le PIA, avec 5 membres, et puis il a décidé d'entre eux qui est ce qu'il a président du conseil là, un représentant de la diaspora, un représentant de la classe politique, un représentant de signataire résolution Kingston, un représentant de Montana, Mbablem Gilotnon, qui a encore fait 5 ans. Et puis, il y a un comité, il dit, qui pour mettre sous place. Le comité, ça a 7 membres, qui a bien université, paysan, femme et latrier. Ce comité, ça a pas choisi pour le ministre là. Et qui a choisi tout le monde qui pourrait faire partie du cabinet ministériel là. Il a parlé tout d'un organe de contrôle qui était prévu dans l'accord 21 décembre, M. Damio. Montana retourne à Avel, qui pourrait contrôler l'action gouvernementale. Et il a parlé d'une transition de 18 à 24 mois. Donc ça veut dire 2 ans et quelques mois, Ariel là, jusqu'à présent, nous pouvons jamais dans la transition. C'est petit ballon d'essai qu'a fait. Vous comprenez? C'est petit mouvement de mise en train qu'a fait. Et ça a blandi. Quand il y a là, pour me finir net, Ariel Henry, même j'en paquet l'autre politicien qui est arrivé à accéder à plus haut niveau dans l'État, yo gomba yo toujours à jouer sous lui. C'est le temps. Maron c'est marqué avec lui au lit trop. Maron est ben bon gens, il a joué sur le temps. Mais c'est ça moi je me connais. En Haïti, au cas fait toute prévision là, au cas fait toute analyse possible, toute projection, voilà le mot. Et puis toujours un élément surprise qui paraît qui chamba de toute bagarre dans moi. Par contre, ce qu'on donc, faut que Dr. Ariel Henry comprenne, il va mettre tête li. C'est pas lui qui décide de rester là. Donc, à n'importe moment, Blanguin doit embarrasser avec elle, il doit considérer comme un colis, un combré, par contre, ça veut dire. Et puis, il décide de dire, mon cher, après 2 ans, et pas un excès, il utile nous là. Même plan, nous, même agenda, nous, pas arrivé de n'appliquer. Mon cher, retirer corps, bon, basé. Mais sauf que moi-même, m'attend, toute nègre, toute femme qui te signé, accord, 21 décembre, à qui courage, yo même qui t'a défendu à quoi, pour yo pral vin zim kon sa ke, Ariel Henry doit rester au-delà du 7 février 2024, alors que nan akoa li écrit noir sur blanc, à partir du 7 février 2024, mandat Ariel fini. Et si nan mèdim, à partir de 8 février 2024, nous ne doit pas jamais mouille Ariel pour le ministre encore, non? Et parce que m'a fait chèl, ben m'a proposé intéressant, non? Et parce que tout simplement, M. Damio Gon a quoi signé, il a publié dans le Moniteur qui te dit à partir du 7 février 2024, Ariel Henry, pas premier ministre encore. Bonjour guerrier, bonjour Grégory Lupé, Jimmy qui était à Genoué, bonjour tout le monde. Oh, bonjour Johnny, pardon à parler là, d'après chercher en tweet citoyen. Et moi, depuis que je dis citoyen, je t'envoie qui est-ce. Ok. Ok, voilà. Mesdames et Michel. Mesdames et Michel dit, Père Ariel Henry, pas besoin d'un nouvel accord politique pour le rester sous pouvoir après 7 février 2024. Il besoin d'un entente pour organiser élection et puis transmettre pouvoir by élu population a choisi. SDP invité protagoniste à la raison politique. Ou déposer question ou d'arrêter qu'on ça ou pral dit après 7 février. Eh ben c'est laisse ça public là population citoyen yo pral rendre yo compte nan ki niveau politicien politicianisme ça wot. Aïe. Donc ça veut dire mesdames et Michel parler, nous n'avons pas besoin de l'autre accord. Il a fait document qui s'est publié dans le Moniteur pour dire faut qu'on ait un nouveau président élu qui rentre en fonction 7 février 2024. Ça, c'est blague. Vous comprenez? C'est blague. Ouais, ça, bon, mon aide qui dit depuis l'accord qui est publié dans le Moniteur, même là où tu dis qu'on va connaître, il y a un commandé, vous le respectez. C'est vrai? C'est mon aide qui dit ça.